Ok, salut, on va continuer la carrière. FIFA est en train de se lancer, on est en Serie A, il fait nuit. Je vais pas beaucoup parler, je vous le dis d'avance. Voilà, le jeu se lance, je mets de la musique en attendant en même temps que je vous allais pas entendre. Puis voilà, c'est tout. On va affronter l'Inter, ça va être chaud. Hop. Je viens de redémarrer le PC, est-ce qu'il avait crash? Dinguerie quoi. Voilà. Les killers, je sais même pas. 4h16. Quel lourd. Je cours dans 3h. Ouais, la victoire, ça va se faire. Ça sera en hivernal. Sauf si on le fait là. Attendez, équipe. Qu'est-ce qu'il me faut? Un MOC. Ou un DG. Il me faut un MOC ou un DG. Donnarumma. Ce que je voulais. Si seulement. 123. Ok, allez. Voilà, une trémossée. Et au que dalle.
Ah, j'ai plus de thunes, moi. Ouais, non. J'ai pas assez de thunes. Ce sera mercato hivernal. Allez. Attendez 2 secondes. Hop. Ciao tutti, nous sommes à Milan au stade San Siro. Toujours une vraie joie de venir ici. Au commentaire, le Diego Maradona de Tours, Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva, le Claudio Caniggia de Paris, place au football italien et à ce match de Serie A Team. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare sans aucun doute. Pour le premier match de la saison, c'était un mauvais résultat pour l'équipe visiteuse. Inter et Milano. Jouer dès la première marche, il faudrait du caractère, un esprit de révolte, l'illusion de se sublimer. Mais la saison est longue, il n'y a aucune raison de baisser les bras aujourd'hui. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Dans le but, on retrouve Handanovic, Nathan Aké avec Mats Hummels en défense centrale. Nico Barella sera épaulé par Brozovic au milieu. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Alors là, aucune difficulté pour la défense. Ah non. On y est, c'est l'heure de son premier match sous ses nouvelles couleurs et on a forcément envie de voir ça. L'équipe avait besoin d'un profil capable de jouer comme ailier, capable de provoquer, de déséquilibrer, de dribbler. Bref, l'équipe a besoin de magie en attaque. C'est le profil idéal pour ce poste, je crois. Ruben Aguilar. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Attention pour mener au score peut-être. Non. Et la détente de Samir Handanovic. Dommage. Et c'est donc une petite combinaison. Ouais, depuis l'aile, il repique dans l'axe. Ah, le bon réflexe là. Et c'est un nouveau corner. Combinaison, ça joue en deux temps. Oh, la frappe. Ah, la frappe est contrée. Attention à cette frappe. Putain, c'est un bon tir pour un défenseur. Voilà, c'est joué court. Alors, il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer. Il laisse l'avantage. Ah, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Ah, il est bien placé pour marquer. Voilà. Et voilà le premier but, l'ouverture du score. C'est logique, après la domination, sans partage. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. C'est reparti dans ce match, les Nerazzurri sont menés d'un but. On attend la réaction. Ouais, bien joué ça. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Oh merde. Le corner pour l'Inter et peut-être l'égalisation à venir. La défense éloigne le danger sur ce corner. C'est un ballon pour Çalhanoğlu. C'est contré sans problème. Et la grosse intervention. Trop de vitesse. Le ballon.
ballon donné dans le dos. Et la frappe est contrée. Ah, il est signalé en position illicite, hors jeu. Non, j'ai mal joué. Et récupération du ballon. Brozovic. Ballon pour Dzeko. Oui, le tir. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficultés. Ruben Aguilar. C'est bientôt le retour au vestiaire et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour l'équipe visiteuse. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité, c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Oh merde. Très bien défendu. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Ah, c'est chaud un peu. D'un Villa invisible. Et c'est reparti pour ce match. L'Inter qui est toujours mené d'un but. Et ce crochet pour revenir dans l'axe, c'est un ballon parfaitement maîtrisé. Avec Ibrahim. Leicester confirme donc officiellement ce transfert qui se murmurait un peu partout. Et voilà, fin de la telenovela, tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Ouais, bon tac, ce ballon récupéré. Non, je voulais faire la passe à gauche, j'ai fail. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Et il prend sa chance. Et c'est sans problème pour Samir Handanovic. Joaquin Correa. Edin Dzeko à la réception. Hors jeu. Ouais. Le hors jeu est signalé. Voilà, le remplacement intervient. Ah là là, oh merde. Sur cette passe mal assurée. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Et le gardien s'illustre bien. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse et il y croit à cette égalisation. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Le corner de Çalhanoğlu. Ah, c'est récupéré, mais maintenant il faut vite se dégager. Oui, le bon geste défensif. Oh, putain. Bonne parade du gardien. Petite combinaison. Oh, il y a péno. Et l'arbitre accorde le penalty. Voilà l'occasion de recoller au score. Eh non, pas de carton sur cette action. Eh non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Ballon sur le poteau, ça continue. Quoi? Ah, la menace planait, mais le danger... En plus, je voulais plonger à gauche, mais j'ai pas réussi à plonger. Un petit aparté, vous le voyez, simplement pour vous rappeler le programme qui nous attend. Eh oui, le football, c'est quelque chose de festif.
Je vois ce match comme une nouvelle. Oh, il y a danger là, attention. Ouais, je vis là le raté. Dommage, c'était l'occasion d'aggraver le score, mais c'est loupé. Oui, l'occasion était. Oh, il a raté le péno par contre. Le tableau d'affichage reste pour l'instant inchangé, toujours un but d'avance. Mais c'est une interception, la perte de balle de l'Inter. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Je me demandais, t'as bug. Non, j'ai bugué. Voilà, ça sort en touche. Ma manette, elle a bugué, frère. Allez, c'est le moment pour l'Inter de tenter quelque chose pour revenir. Attention pour égaliser. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas. Ma manette, elle bug. Pourquoi choisir la force quand on est si près du but? Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Réception de Çalhanoğlu. Ah oui, l'excellent ballon. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti. Putain. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Et un corner qui finit directement sur le gardien. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Le ballon est récupéré. C'est peut-être là une des dernières attaques pour l'Inter. Oh, ça fait but ! L'égalisation dans les derniers. J'ai pensé au même, à ce scénario il y a vraiment 3 secondes. En mode, comment je vais perdre la balle ? On a géré tout le match. On avait la possession. On avait tout. Ils m'ont tout pris. Je dormais en cours. Grazie per averci concesso alcune. Je vous repense à cette presta. Oh. Le football, hein. C'est cool, il a rien fait, frère. Attends, Villa, il a fait un raté tout à l'heure. Et tutto. Putain, pour l'Irlande du Nord, c'est l'Irlande. Putain, j'avais oublié. Garde les pieds sur terre. Hein. Ouais, je suis d'accord pour Vital.
Samba. Oui frérot, ça va aussi. Ça a l'air, je suis d'accord, mais... Dans la prime, je suis d'accord. Allez au boulot là. Quoi? C'est lui que j'ai demandé? On fout de lui. T'en fous, frère. Attends, de quoi c'était quoi ça conclu? Près d'un an. Ouais, ça me va. Bon. Attends, hop. Je te recrute, genre pas débat. Toi aussi.
Comment il s'appelle le gars là? Non, c'est pas là. Mais c'est un DLG. On va le mettre sur la liste des prêts. Carré. Zakovic, ouais. Meilleur vente maillot, Gallo Fiore Villa. Ok. Faudrait que je monte le salaire à Villa aussi. Il mérite mieux. Non. Je suis en train de jouer qu'une casquette, sérieux. Hop là. C'est un mec intéressant là. Ah bah juste prêt quoi. Une Delexa, ok.
Ouais. Y a des talents quand même dans cette équipe. Merde. Ah oui. Wesh. Aussi. Ah lui. Ouais. Façon Rossi en vrai. Mais s'il progresse bien, je pense que c'est un bon bail si on fait ça. Si c'est juste un prêt, ça me va. Salut à tous, la pluie, vous le voyez qui a fait son apparition dans le panorama, évidemment. Ça peut avoir une influence sur la qualité du jeu avec le ballon qui fuse. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. On retrouve tout de suite le foot italien et ce match de Serie A. Et on le sent déjà à l'ambiance générale, c'est une très belle rencontre qui s'annonce. Pour l'équipe locale, ce début de saison, c'est bien, mais pas top. On a vu un début de saison démitante de leur part. On ne leur demande pas de triompher dès aujourd'hui, mais on attend mieux de leur part. Bonne circulation du ballon. Ah là là, ballon perdu et ça repart donc dans l'autre sens. Ah, l'offensive se poursuit sur le côté. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Merde, Gallo, il est blessé. On y est, c'est l'heure de son premier match sous ses nouvelles couleurs et on a forcément envie de voir ça. Et oui, il n'y a pas de grande équipe sans grand gardien. Le recrutement à ce poste, c'est prioritaire. Car maintenant, il ne suffit pas d'avoir des bonnes mains. Il faut aussi d'excellents pieds pour relancer et trouver des passes qui éliminent. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Aïe, 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 le ballon est complètement dévissé. Ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Chier. Eh
et il remporte son duel, bien défendu. Je vais lui faire la passe au-dessus. Attends, droite. Ok, ouais, j'ai pigé. Avec Ibrahim. Et on repasse par le gardien. Et il y aura du nouveau sur un autre terrain. On va aller voir ce qui se passe. Oui, c'est le premier but pour Bologne. 1-0 donc. On joue ici depuis exactement 24 minutes. Ok, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Ah, la frappe, c'est bien tenté. Voilà. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Frappe est surpuissante. On le revoit sur ces images. Et quelque part, on s'est dit que c'est mieux que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et la récupération du ballon. Ruben Aguilar. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Mais... il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ah, pressing réussi, pressing payant. Ah, il y a la place pour une frappe. Voilà. Et le but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match, son doublé. Il est intenable, insaisissable. On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le début de l'action, le tacle incroyable. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Hors jeu. Et le ballon piqué. Non. Ah non, bah il couvrait. Sur ce ballon piqué. Il a bien lu l'intention. Toi là, toi tu couvrais là. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale. Et même si la possession, c'est pas une fin en soi, on voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Non, là, il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu ? Ok. Ça y est, la première période arrive à son... C'est parti. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Wesh. Faute, mais l'arbitre... Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Ah, ça passe pas loin du tout. Ah, dommage. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ah, ce ballon dévié sort. Corner à suivre. Le ballon est joué court. Il y a un galop en face, ça va me perturber. Possession dans le camp adverse. C'est un ballon capté sans difficulté. Et attention, il y a une alerte du côté de San Siro. Un but marqué, me dit-on. Oui, 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 il s'agit du premier but. Quel appel. Un but. Dommage. Raphaël Leao et le gardien qui s'est totalement troué sur cette action.
Ça fait donc un but partout après 53 minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. À l'occasion de faire parler sa frappe, le gardien relâche dans la zone dangereuse. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Ouais, ça devenait un feuilleton cette affaire, mais voilà, c'est... Ah, ho-ho, Liverpool, je jure. ...confirmé officiellement. Et voilà, fin de la telenovela, tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Bien coupé. Deux fois la même. Et ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Ouais, j'ai jaune. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute vient siffler, mais rien de plus. Même pas un petit carton jaune sur cette action. Et le staff décide donc de faire un changement. Et on s'interrompt un instant parce qu'il y a un but marqué à San Siro. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de l'AC Milan. Un but signé Patrick Schick sur une volée bien claquée. On en est donc à deux buts. Volée bien claquée. Qui a débuté il y a 66 minutes exactement. Quoi ? Okay, merci pour l'info. Je vis en bas. Ouais, dans la profondeur. Ouais, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Et le changement va donc avoir lieu. Allez, bien frappé ce corner. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. On le voit à l'écran, un bref rappel pour vous dire que le foot continue avec une rencontre à venir. Et oui, le football, c'est quelque chose... Oh, j'ai mal joué. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Mais ouais, je m'y fais quoi, l'autre ? Normalement, j'avais l'interception. Oula, je glissais. Le ballon change de camp. Wesh. La matière et la récupération est décisive. Et oui. L'alerte du côté de San Siro, un but marqué, me dit-on. Oui, c'est le troisième but pour l'AC Milan. Le score, le voici, 3-2. Tandis qu'on joue la 80e minute de jeu. Et merci et tenez-nous informés de la suite. Et c'est vers Aguilar. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. J'ai glissé. Si c'est. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Waouh. Et ça y est, on va donc en rester là dans ce match et ça se termine avec une victoire à domicile. Bon, ça va. Carré. Grazie mister, è un piacere averla ai nostri microfoni.
Claqué, wesh. Récupération. Ouais, j'ai beaucoup de matchs là. La Talenta. Ouais, tu sais quoi, Aubert, tu es titulaire. En vrai, c'est un risque que je vais prendre. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Nous voilà, Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. On vous emmène tout de suite en Italie pour ce match de Serie A. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare sans aucun doute. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football, c'est la passion qui se transmet entre le terrain et le supporter. Ça va être un match compliqué ça. Oui, bien fait ça. Face à face avec le gardien. Ballon contré, mais ça revient. Oui, l'arbitre siffle pour cette position de hors-jeu. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Et un arrêt qui fait du bien. Putain. Ah, il est bien frappé ce corner. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Attention au pressing. Il est possédé du ballon. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Et ici l'occasion pour mener. Et voilà un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon. J'aurais dû faire la passe, mais c'était chaud. C'est très très fort. Et ce corner est joué court. Germain. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Et le match peut basculer. Non, frère. Il laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien lu la trajectoire. On va en profiter là pour faire un petit focus sur un Brésilien. C'est Roberto Firmino. Avec lui, le danger peut venir de partout. Et oui, son doublé au dernier match. Tout le monde s'en souvient. Oh, ah là. Et voilà ce but. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et les voilà donc qui mènent maintenant. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Coupe Mainers. Et ça joue sur Roberto Firmino.
Frappe contrée, sans souci. Les adversaires pressent. Oui. Oui, sans commettre de faute, le ballon est récupéré. Lookman. Coop Meiners. Oui, attention à ce ballon-là. Ah, il a fait quoi ? Belle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire, là. Frère, il s'est retourné en tirant, j'ai pas compris. Robert. Mais non, mais tu te mets derrière quand je te fais la passe, frérot. Espèce de con. Voilà, la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Et ça joue sur Roberto Firmino. Très bon timing sur cette interception. Ah, et la frappe, ça part bien. Et non, sans danger, finalement, ce tir. Germain. Alors, il y a faute et donc le coup franc à suivre. Ah ouais, mais non. Mais... complètement raté. Coop Meiners. Lookman. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Frère, tu me fonces dedans. Le ballon est perdu. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Oh, il m'a baisé. Bon duel. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. Qui que j'ai remplacé ? Bah, il me l'a pas remplacé. J'ai demandé. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Bonne intervention et le ballon est repris. Leicester confirme donc officiellement ce transfert qui se murmurait un peu partout. Et voilà, fin de la telenovela, tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Et bien fait, attention à l'occasion. Et oui, voilà. Le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Eh, l'arbitre elle a vu la faute mais elle c'est moi qui fais faute. Ouais, c'est compréhensible en vrai. Quoi ? Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Et le tir part bien. Et oui, but ! L'égalisation ! Voilà. M'a baisé. On va sortir le grand jeu, écoute. Lio Villa. Et le staff décide donc de faire un changement. Encore un but dans ce match très ouvert. Quel capitana. C'est Aubert, ouais. Le spectacle est grandiose et il reste encore des minutes à jouer.
l'occasion de prendre l'avantage. À deux doigts de oh, il est grandiose. Deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Arrêt de jeu. Et donc l'entraîneur effectue un changement. Petite combinaison. Vers l'intérieur pour aller provoquer. Balle au pied. Vous le voyez, mais rappelons-le, il y aura encore plus de football prochainement. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Ah, je pensais pas. L'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. En excellente position pour tirer. Ballon contré, mais ça revient. Bonne intervention du gardien. Allez, bien frappé ce corner. Et un corner qui finit directement sur le gardien. J'arrive pas à, bien les frapper. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Attention à cette frappe. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Le public qui s'est fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Oh, la bonne frappe. Très bonne frappe, mais elle manque la cible. Et ça s'affiche, on en profite donc pour vous rappeler ce qui nous attend. Et oui, le football c'est quelque chose de... Regardez. Oh là là. Dans les derniers instants, voilà pourquoi on avait vu pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, golazo, golcito, tout y est. Quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Ta gueule à dire ça, là. Comme ça qu'il marque. Parce que je me déconcentre tout le temps ça. Je rigole zéro. Et pourquoi pas une occasion à venir, là. Du mouvement pour exploiter... Voilà. Ouais, ça fait but. Coup sur coup. Mais j'ai un mec qui est tombé à gauche. Buts à deux au tableau d'affichage. Plus que deux minutes à jouer minimum. Coupe Miners. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ouais, ça va aussi. Défensif, sans commettre de faute. Fini. Et voilà, la fin de ce match avec 3 bons points de gagner à l'extérieur. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Putain. Gros match. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Bah, il est quand même rentré, quoi.
Grazie. Non seulement. Non. En quoi, c'est un transfert ou c'est un prêt? Prêt de 2 ans. Ouais, allez. Bon, allez. En fait, j'ai même pas mis Villa et Gallo titulaire parce que justement je savais qu'il y avait la Fiorentina derrière. Étape importante puisque c'est déjà sa 50e à la tête. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui vous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca, place au football italien. Et à ce match de Serie A team et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Et oui, on a beau parfois en avoir marre, être fatigué, lassé, agacé, on revient toujours au football. Il y a toujours un nouveau scénario à découvrir. C'est vrai ce qu'il dit. Ouais, c'est propre, sans faute. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Certains coachs disent toujours que les stats ne les intéressent pas, mais celle-là a quand même une saveur particulière pour lui. 50 comme 50 matchs à la tête de cette équipe. C'est mon 50e match. Ça intéresse surtout la presse. Pour les coachs, ça reste secondaire. Ils savent qu'ils sont à tout moment assis sur un siège injectable. Ah, peut-être hors jeu, non? Les passes s'enchaînent. Et non, c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Non, frère. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Coquelin. Ah, c'est jaune. Ça joue, c'est bien arbitré. Goal. J'ai mal joué. Effectivement, que le ballon a bien été touché, dévié par le gardien, mais ça n'a pas pu empêcher le but. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Fofana. Le ballon pour Coquelin. Très bon timing sur cette interception.
et aucune difficulté pour Odysseas là-dessus. Alongo, il est cuit. En temps normal. Francis Coquelin. Il m'a baisé. Le chiffre confirme que l'équipe visiteuse court après le ballon, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match. Frère, ça va aussi, il me fait tomber tout le monde. Avec Ibrahim. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Attention, voilà un bon duel. Quelle occasion manquée! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. La mi-temps approche et la différence n'est pas énorme entre les deux équipes. Pour l'équipe locale, c'est toujours faisable. Oh, il y a danger là, attention! Ouais, c'est un ballon pour les gants du gardien. Oh, c'est dur. Fofana. Oui, c'est récupéré ça. L'idée était là, dommage. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la fin. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Il peut tenter sa chance. Je sais pas de qui il parlait, mais... Ruben Aguilar... Un bon contre à jouer peut-être. Putain. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Quoi, une faute? Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah, il peut frapper pour égaliser. Voilà. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important. Il ramène les deux équipes à égalité. Le réalisateur nous montre le but à nouveau. Et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien vue. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Francis Coquelin. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, il faut redescendre, là il faut s'activer. Attention pour mener au score peut-être. Attention, c'est pas fini. Le mais pourquoi il est pas allé sur la balle? Et finalement, ça ne je fais un poteau. Trop précis et ballon récupéré très haut. Et poteau, qu'est-ce que tu fais? Attention à ce tir. Ouais, superbe défense. Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Et c'est donc une petite combinaison. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Oh, la frappe au but. Ballon en corner.
sacre ambiance avec le public qui vibre avant ce corner. Première occasion de mener depuis longtemps. Et voilà, c'est un changement donc. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Ah non, il faut pas la perdre dans cette zone. Ouais, très bonne intervention là. Dur, hein. Les 20 dernières minutes de la rencontre. L'arbitre demande aux équipes de poursuivre, mais pour les supporters, c'est clair, il y avait faute, et donc penalty. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ça joue sur Seko Fofana. Oh, oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Wesh. Coquelin. Fofana à la réception. Oh, le ballon intéressant. Grosse occasion, mais la défense parvient à écarter le danger. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Vous le voyez, mais rappelons-le, il y aura encore plus de football prochainement. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Ah, c'est limite, mais c'est une position de hors-jeu signalée. Et le changement va donc avoir lieu. Mais quoi ? Sans faute. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Ah non, c'est contré. C'est bien joué, cette récupération au milieu. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini. L'égalisation est encore possible. Un peu de coaching avec ce changement. Allez, bien frappé ce corner. Le but sauvé in extremis sur cette intervention. Wesh. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Non, ça ne passe pas, le ballon est contré. Ouais, c'est fini, c'est perdu. Une avance plus confortable. C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile. Ah, Gréco, il a de bonnes notes à chaque fois. Oh putain. Chier. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Deux jours de repos, c'est pas assez. Comme ça, l'adversaire prend très molli. Merci de nouveau pour avoir respecté. Con lui. On est quoi, on est 9e là?
Pouah, Fiorentina. Bon, les derniers matchs et j'arrête. Grazie a tutti per essere intervenuti. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa. Ah, les maillots bleus. Harry Kane. Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match. C'est un joueur dont le rendement est impressionnant. Il y a le Pichichi, le meilleur buteur du championnat pour l'instant. Ouais, 4 buts, frérot. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Ici donc la team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. On retrouve tout de suite le foot italien et ce match de Serie A est dans le stade. Tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Ouais, c'est sifflé. Quoi? Position de hors-jeu, il y avait mieux à faire. Non. Laisser filer le ballon dans la profondeur, c'était le sens du jeu. Ouais, bien fait, il est passé. Et le tir, attention! Oui, bien fait de la part du gardien. Maud, il a agressé. Wesh. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Ça, c'est un super élément évidemment de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Quand vous regardez ces matchs depuis le début des championnats, c'est l'ABC de l'attaquant. Ses déplacements, son intelligence, son savoir-faire dans sa relation avec le but sont remarquables. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Super l'intervention. Putain, j'ai même pas vu, on est contre l'Udinese. Ouais, bien fait, la bonne récupération. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Attention, grosse occasion. Oh, l'arrêt, mais c'était pas fini. Oh, le bâtard, il a fumé Pop Smoke. Le ballon relâché et derrière, ça ne pardonne pas. Putain, j'ai le seum, il a pas sélectionné le joueur que je voulais direct. Du coup, bah, j'ai pas pu courir avec. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Interception du ballon donc. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Oui. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Sérieux là? Quoi? Ça sort en touche. Ouais, ce jeu il bug là, c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Genre non, c'était pas mon mouvement en plus. The fuck. Ça va me prendre sur la possession là. Oh, le très mauvais tacle et attention derrière parce que ça peut lui valoir un carton.
le score en leur faveur ne semble pas Allez. Avoir été un facteur de tranquillité, bien au contraire. Et oui, c'est la nervosité qui semble être au moins en partie responsable de ce geste. Cette expulsion risque de leur coûter très cher. Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace. Ouais, superbe défense. Un bon corner pour revenir au score. Oh la tête. C'est joué court. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Non. L'équipe locale n'a pas la maîtrise du ballon, comme quoi on n'est pas obligé d'avoir le ballon tout le temps pour être dangereux. Ce qui compte, c'est de savoir quoi faire quand tu te retrouves avec le ballon dans tes pieds. C'est l'intelligence de la passe et du déplacement qui compte. Bien fait ça, sans pause. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Un bon timing, très bonne intervention dans les pieds. Putain, il m'a tiré le t-shirt, du coup je peux plus courir avec. Culé. Ah, il perd ce ballon. Et le pressing sur le porteur. Ballon pour Ward-Prowse. Et le tir. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est là. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Ah, il ne s'est pas avoué vaincu. Bien fait, là. Dinguerie, j'arrive pas à jouer. Ils sont en carton rouge, ils ont un joueur en moins, genre. Petit rappel, vous le voyez sur les ceux qui attaquent. Continue avec un match qui va vous plaire. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Non, mais là, je suis un troller, c'est pas possible. Prête de maintenir la balle, là, je vais te découper. Attention, très bonne occasion. Et très bonne intervention. Eh vas-y, je joue en simulation. Non, vas-y, la flemme. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Voilà, c'est joué court. Ballon pour Ward-Prowse. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Eh oui, le tir. Ballon facile. Évidemment, c'est pour le gardien. Grosse pression, attention. Voilà, vous le voyez, rappelons ce match, ce rendez-vous à vivre ensemble et en intégralité. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, attention, peut-être un but là. Ballon contré, mais ça revient. Je peux pas demander ça. Ballon rendu à l'adversaire. Bon espace à utiliser sur le flanc de la défense. Le ballon sort en 6 mètres. Puis quoi, le gamin à gauche? On va mettre de la fraîcheur avec le changement. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Ah non, ce ballon est perdu. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Ouéa. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu.
Ah, il y a un contre à jouer maintenant. C'est une dinguerie de jouer comme ça, genre. À grosse pression, ballon perdu. Le temps passe, le chrono tourne, mais l'égalisation peut être sur cette attaque. Comment c'est possible ? Le ballon est perdu. Là, mange-toi ça, toi. Ça me rend nerveux, là, putain. Et je viens d'avoir l'info. Un but a été marqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Et oui, avec le deuxième but en faveur. On bat les couilles. Oh là là, quelle faute, mais quel tacle dangereux. L'arbitre devrait logiquement sortir un carton. Il faut maintenant voir la couleur. C'est rouge aussi. Pas les couilles. Ah, c'est très bien vu, ça. Magnifique interception. Hassan Camara reçoit la balle. Oh, la balle de match. Goal, 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 goal. Gallo et Fiore a plu avec l'Italie. Non, jure. C'est grâce à moi, ça, c'est tout. Bon, moi je vais arrêter là. Salut.